Bonjour, on a été beaucoup sollicité pour avoir des demandes d'informations sur notre course la MOM. Donc là, on va vous faire un petit topo sur le matériel obligatoire et le matériel conseillé. Alors, à bon entendeur. Alors, concernant le matériel obligatoire, ne pas oublier le SI. Ensuite, dans le matériel interdit, alors il y a le GPS, ça sera interdit pour tous ceux du World Ranking. Par contre, le logger est autorisé. Bien sûr, on vous conseille de prendre le port-description ainsi que la boussole pour réaliser de bonnes visées. Si jamais le temps est un peu frisqué, pensez à prendre le bœuf de l'équipe nationale suisse. Et si jamais la course est un peu longue, pensez au ravito. Hein, n'oublie pas de prendre le couteau Victorinox avec le gruyère et le traditionnel Toblerone. Si ça se passe un peu moins bien, eh ben, il faudra penser à prendre la clarine pour signaler à l'organisation que vous êtes perdu. Et si vraiment les lanternes sont dures à trouver, il va falloir finir avec la lampe frontale, avec la lampe torche, et plutôt la lampe tempête. Et donc ça sera obligatoire aussi pour ceux qui ont un peu de difficulté. Et tout ça, et ben sans oublier de bien conditionner dans votre cornet, hein, qui sera bien sûr aux couleurs de l'équipe nationale suisse. Le bleu. De Dieu, là où c'est lanterne, c'est toujours pas cette dépression. Chien. Oh, c'est ma lanterne. J'ai eu un monstre bol. Mais il est rouillé ou quoi lui? La brocheuse. Ah, j'espère que c'est la bonne. Ah, 79, bah, c'est justement celle qu'il me fallait. Oh, c'est l'heure de la pause là, c'est les 4 heures. C'est de faire pis ça. Organisation, j'ai perdu là. Ah, viens voir la pouze. Et tu sauras, bien essayé, hein, mais à la fin, c'est toujours les Suisses qui gagnent. Hein. Ah.